Ok, salut YouTube, bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo, on est sur Idle Hero les gars, on est vendredi donc avec un nouvel événement et une nouvelle mise à jour plutôt particulière parce qu'il y a un nouveau perso qui est sorti, perso transcendé, en plus on est sur Aspen, donc t'as dû le voir, hein, c'est le gros truc de la mise à jour. Donc on verra ça, on verra ses sorts, on verra tout l'événement qui est lié autour et on a des codes à faire. J'avais oublié la dernière fois donc on va les faire. Donc une fois qu'on aura fait l'event, on, comme d'habitude, essaiera de continuer sur la Terre scellée. J'ai eu des petites modifications, je pense que là on n'est pas, enfin pas mal, c'est pas parfait. Mais il y a moyen qu'on arrive à titiller le 25, je pense. Je pense. Ou au moins, peut-être au boss du 24. Alors après, à voir, hein. J'espère que je ne me trompe pas. Mais ça va peut-être le faire, j'espère. Franchement, si on arrive au 25, c'est une victoire. Hein. Je sais très bien que je ne pourrais pas gagner parce que les prérequis pour gagner, il me manque des stats. Donc ça, je sais que voilà. Mais on pourra faire mieux. Bref, c'est vrai que dans toutes les vidéos, désolé, je le fais. Moi, c'est mon objectif du moment. C'est l'event d'un côté, mes terres scellées, je veux vraiment en finir un. Et celui-là, c'est là où j'ai le plus de persos, donc on pourra le faire. Et après, une fois qu'on aura fini ça, on en fera peut-être d'autres. Mais ouais, ça me ferait vraiment kiffer de le finir parce que du coup, j'aurai plus de coffres comme ça, plus de loot. Et mes persos seront juste plus forts en fait. Donc ouais, donc je t'apprends rien, hein, voilà. Donc, alors, l'événement, il y a eu quoi? Pourquoi je vais là-dedans? Je ne sais pas. Bon, on va le regarder direct, hein, je sais pas pourquoi on attend. Hop, voilà. Seigneur d'effroi, Aspen. Skin plutôt très, 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 très beau, hein, clairement. Moi, j'aime beaucoup. Donc, des plutôt bonnes stats. Hein. Le mec est quand même assez solide hein, comparé aux autres. Bon, c'est vrai qu'il y avait ce modèle niveau vie qui était pas mal. Mais là, le truc, c'est qu'il a quand même 51 000 d'attaque, ce qui est quand même fou. Hein. Donc, on pourra le regarder juste après. Parce que la mise à jour, il me semble qu'il y a encore des trucs au niveau de la forge. Ils ont enfin fait ça. Merci. Donc, l'atelier d'Ormus et la bénédiction des dingueries sont mis en permanence là-dedans. Donc, il n'y a plus d'événements. Tu n'as plus à attendre de quelques semaines avant que l'événement pop. Voilà, on peut faire ça à volonté. Donc, ça fait plaisir. On en avait parlé il y a un petit peu longtemps. Il l'avait mis dans une mise à jour, mais on ne le voyait pas. Et là, c'était fait, donc tant mieux. Après, il y a un autre truc qui s'est ajouté pour les VIP. Bon, ça ne te concerne pas. Moi, ça, à la limite, ça pourrait me concerner si je passe VIP 9. Parce que voilà, ils ont mis ce truc-là qui n'était pas avant. Avec voilà, des skins de perso plutôt pas mal, parce qu'il y a des transcendés, donc ça peut être cool. Avant d'y arriver, il faut le faire, et bah, ça demande beaucoup d'argent. Et autant d'argent pour juste un skin comme ça, je peux t'assurer que c'est pas du tout rentable. Mais bref, voilà. Donc allez, c'est parti, on regarde l'événement, qu'est-ce qui s'y passe. On est sur un événement orbe, voilà. Donc comme d'habitude, 80, on peut le faire 8 fois. On peut avoir notre petite Natasha et la Garuda. Donc là, clairement, le perso a... Pas trop marché. Il n'y a pas eu de truc de fou, quoi. C'est, voilà, c'est pas forcément méta. Ça peut être cool dans des petits trucs, mais voilà. Donc forcément, est-ce qu'on va faire l'événement? On pourrait le tenter juste une fois pour rigoler. Mais on verra. Dans tous les cas, tu vas voir qu'il y a un autre event en dessous et il faudra peut-être faire des orbes. Je vais essayer de tout calculer ça. Pour l'instant, j'ai pas tout fait. Donc là, il suit un événement campagne, comme d'habitude, voilà, avec un petit spectre rui. Pas le meilleur, pas le meilleur. Clairement. Mais ok, voilà, des petits persos comme ça. Un label qui est cool, un label qui est assez forte. Donc, si tu peux l'avoir, ouais, elle est vraiment sympa. Bon, après, le reste est cool aussi, hein, que ce soit le Morax ou la Fiona, c'est cool. Mais on va préférer un label perso. Donc, nous, comme d'hab, est-ce qu'on va arriver à 1007, 1008? Oui, sûrement. Est-ce qu'on va prendre des parchemins? Oui, sûrement, comme à chaque fois. Donc, voilà, surtout que là, je n'ai absolument plus rien. 336, donc c'est plus rien. Je n'aurai pas le choix. Donc, ok, et on finit par un Heroic Miracle qui donne le petit Xiaou. Xiaou qui est pas trop mal pour Faction des Verts, hein, pas pour l'arène en général, mais pour la Terre Scellée et tout, il est vraiment fort. Donc, déjà, hop, pas ici, là, on va ouvrir des persos. Là, on en a un petit peu. 39, eh bien, écoute, c'est parti. On ouvre ça, très bien. Normalement, déjà, rien qu'avec ça, on a fini les trois quarts de cet event-là, voilà. Il nous reste deux Dark Delight. On va les sortir simplement du sac, là, voilà. Deux et deux, voilà. Comme ça, c'est fini. On a nos orbes, on a tout. On vérifie, event fini. Ça me permettra de me faire un petit peu de foot. Je pourrais faire des 5 étoiles. Des 6 étoiles, pardon, vu qu'on a droppé les 5. Donc, ça, c'est une partie d'event. On l'a vu maintenant. La partie intéressante est là-dedans. Alors, intéressante. Ça dépend pour qui, hein. Mais ça peut être sympa. Donc, déjà, le but, c'est d'avoir des insignes d'Aspen. Ces insignes vont te servir dans un shop qu'on verra juste après. Là, si tu collectionnes 25 insignes, tu as une tentative. Donc là, on en a deux parce qu'on en a 50, évidemment, parce qu'il y a des trucs qui ont déjà été faits. Aspen 6 étoiles et Aspen 5 étoiles. J'avais déjà Aspen d'avant. Donc, du coup, ça s'est mis automatiquement. Donc, ça m'a fait gagner un petit peu des cartes. Obtenir un héros 5 étoiles, pareil. Enfin, d'avoir plein. J'ai, bah, là, du coup, avec tout ce qu'on a ouvert, ça a permis de faire ça. Ensuite, c'est gagner l'XP VIP. Donc là, à voir. Parce que moi, tu sais que je prends toujours ma carte privilège. Et là, il me reste 49 jours, soit un petit peu plus d'un mois. Donc, il va falloir que je refasse du stock.
Donc, est-ce que je le prends pour quelques mois? Je sais pas. Est-ce que j'attends pas Noël ou un event comme ça, jour de l'an, qui va sûrement proposer la même chose? Et peut-être que l'event sera un peu mieux, je sais pas. Donc, pour l'instant, je vais attendre, je vais tout calculer. Là, pareil, utiliser 3 orbes pour avoir une carte. En ce qui voudrait dire 300 orbes pour avoir les 100 cartes. Donc, c'est faisable. Hein. Enfin, moi, j'ai un bon stock d'orbes. Donc, je pourrais clairement faire toutes les orbes, quoi. Donc, ça m'en ferait 100. On serait déjà à 150. Donc, ça, on verra. Donc, tout ça, ça sert à quoi? Ça sert à ça. On va pouvoir acheter les petits loots d'en bas. Donc, là, on a une épée pierre magique qui est pas mal. Il nous en manque qu'une seule en plus, mais on la prendra pas. Ouais, on en a une là, donc il m'en manque qu'une seule. Ça permettrait d'évoluer ce truc-là si on arriverait à 3 et d'avoir 3 artefacts comme ça. Je sais pas. Enfin, en tous les cas, le meilleur truc pour moi actuellement, il coûte 155, c'est ça, hein, évidemment. Hein. Parce que là, comme je dis, on serait à 150, il m'en manquerait 5. J'achèterais un petit peu la carte et on aurait celui-là. Celui-là, on sait qu'on va l'avoir en fait. Je sais que je vais l'avoir. Après, c'est quoi m'acheter d'autres? Je sais pas. Ça nous permettrait de finir évidemment la clochette démoniaque. Donc, ça serait une bonne chose. Donc, pour ça, il faudrait faire 300. Et ensuite, l'événement. Ouais. Bon, ça, c'est assez facile. Ça dépend qui t'a en ami. On l'a à chaque fois qu'on a des héros comme ça, il faut faire des combats. Alors que ce soit dans ton équipe ou l'équipe d'en face, il faut qu'il y ait les persos qui sont marqués là. Et bon, nous, on a la chance encore une fois. Hop, le petit Raf. Qui a une équipe de malades. Donc voilà. Une équipe assez proche de la mienne, j'ai l'impression, hein, niveau perso. À quelques persos près, on est presque pareil, quoi. Donc, du coup, ce qui est bien, c'est qu'en un combat, on a tous les loots. Et voilà, quoi. Voilà, une équipe clairement à ma portée. Je pense qu'avec cette équipe-là, je peux lui mettre. Mais on va pas le tenter en vidéo, je pense que... Non, je déconne, bien sûr. Hein, je me fais ouvrir en deux. Mais vu les persos, on est d'accord, c'est normal. Bref, ah, attends, tentative, c'est parti. On essaie la tentative. La tentative nous donne des persos. Des persos plus ou moins qualitatifs, comme tu peux le voir. Bon, là, t'as rien vu parce que je suis allé un peu vite, mais voilà. Hop, c'est parti. Le dernier perso, attention, voilà, de la belle foot comme on aime. Donc, les orbes, il va falloir faire les orbes. J'ai pas le choix. Alors, est-ce qu'on n'achèterait pas plusieurs petits trucs VIP? Que 300 orbes, c'est quand même, enfin, c'est quand même beaucoup. 240, ça serait pas mal. Donc, on a fait nos achats au niveau de la carte mensuelle. On est bon. Et maintenant, il faut claquer les orbes. Donc, dans quoi claquer les orbes? Alors, je sais la dernière fois. Ah, oh, le code, les gars, on va plus y penser sinon. Donc, le code, c'est Aspen2021IH. Voilà, bim, on fait échanger et on a la récompense. Clac! 10 parchemins, 1200 gemmes, ça fait plaisir. Donc ça, ok, on est bon. Je te disais, ouais, pour l'Inis. Inis, c'est vrai, la dernière fois, je sais pas pourquoi. Je dois pas en avoir assez, je pense. Mais, voilà, on aurait pu l'avoir, mais plein de fois là-dedans, quoi. Mais vraiment plein de fois, parce que j'en ai plein des coffres comme ça, tu vois. Je sais pas, petit bug, j'ai pu penser. Bon, c'est pas grave. Bon, après, elle était aussi dans la guilde, mais je l'avais déjà prise une fois dans la boutique, là. Tac, tac, et voilà. Bon, après, j'aurais pu refresh, évidemment. 20K, c'est pas énorme. Mais ouais, non, j'ai zappé. J'étais dans mon truc et désolé. Donc là, évidemment, hop, on va la sortir. Voilà, c'est fait. Et on peut enfin, hop, faire ça. Et là, on est tranquille. Hop, on a enfin les Nice 9 étoiles. Donc, on verra. Donc, je sais pas du tout dans quoi claquer mes orbes. Il n'y a aucun perso, là, que j'ai vraiment envie d'avoir. On va peut-être claquer dans un peu tout. Quoi, peut-être cette faction-là pour essayer d'avoir notre petite Annabelle. Je sais pas. On va le tenter, mais sans grande conviction. Oh, ok. Déjà, un petit 5 étoiles qui fait plaisir. Allez. Un deuxième. Ok. Bon, après, là, ok. Tant qu'on a de la foot, c'est déjà très, 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 très bien. Je pense que je vais changer un petit peu. Je vais faire tourner. Oh, pas mal. De 5 étoiles ici. On va faire un peu... On va faire un peu chaque faction, là. Parce que clairement, là, j'ai rien. Enfin... J'ai pas besoin de grand-chose, je pense. Donc, je vais me faire un peu de foot de chaque côté, là. Et si j'ai des 5 étoiles, tant mieux. Et si j'en ai pas, tant pis, là, pas mal. Là, on a rien, c'est dommage. J'ai pas un petit 5 étoiles qui traînerait, là? Non. Dark and Light, peut-être? Voilà, clairement, je veux rien. Là, ils peuvent mettre n'importe quelle 5 étoiles. Je m'en fous complet. Donc, on va vite passer, parce que j'ai pas envie d'avoir ces stats-là. Les stats sont plus basses, hein, donc c'est moins bien. Là, ça pourrait être toujours bien. Alors, si j'ai la Inis, je suis un peu deck, parce que je l'ai ouvert dans le coffre pour rien. Voilà, j'aurais dû me focus sur ça, en vrai. Ok, la petite Margaret. Les deux Margaret, on est d'accord? Oui, deux Margaret qui font plaisir. Ok, des 5 étoiles, pas mal. Hop, on revient là-dedans. Là, l'event, on l'a fini plusieurs fois. Je ne sais pas exactement combien. Oh, ok. Alors, attends, on en est où, là? On en est, on l'a fini deux fois. Oh, purée, on est allé vite. Donc, attends, on continue là-dedans. Ok. Oh, c'est triste hein, de faire ça sans vouloir vraiment un 5 étoiles, mais... Ah, j'ai... Non, j'ai eu à mon perso? Oui. J'ai pu... Ah, j'ai mal vu. Je suis deg.
Attends, est-ce que j'ai eu... Ah, j'ai eu lui, non. J'ai pas eu Kirimaru, je sais plus. Ah, il nous reste un truc pour le finir une troisième fois. Hop, voilà, on a fini les 23 fois. Avec un petit 5 étoiles en prime. On prend les loots, mais le problème, c'est qu'il m'en manque un petit peu, malheureusement. Car si on va là-dedans, on est à 225. Alors, il m'en manque pas beaucoup. Mais là, ouais, il me manque 20 cartes, en gros. Donc, allez, on les fait rapidement. Allez. Les 7 dernières. Je suis dégueu parce que ça finit sur un truc comme ça, quoi. Ah, non, attends, je suis bon, là. Attends. Normalement, c'est terminé. Hein. 245, parfait. Donc, je suis à 295. 295, ça me permet tout simplement, si je me trompe pas, les gars, de faire ça. Hop, voilà. Là, il nous en reste 90. Et avec 90, on fait ça. Ok. Donc là, en vrai, on s'est mis très, très bien. On a eu deux artefacts. Bon, du coup, ils portent bien leur nom de pay to win parce que là, tu es obligé de payer pour l'avoir. Bon, nous, c'est qu'on devait prendre nos cartes mensuelles. Hein. J'en ai une tous les mois obligatoirement. Je me les achète pas tous les mois, évidemment, parce que je profite des events comme ça pour en avoir 6 ou 7 de stock, quoi. C'est beaucoup plus rentable de faire ça. Donc, ok. En plus, si on fait la forge là... Alors, on en est où? Pour lui, hop, on voudrait le passer 2 étoiles. Voilà. Ok. Dans notre une étoile et celui-là, on fait forger et on est bon. Voilà. Et pour le passer ensuite, 3 étoiles. Toujours le même. On prend notre 2. On prend ça et c'est terminé. Il est... Ah non. Donc, on reprend, pardon. Clac, clac. Et voilà, artefact terminé. Ok, ça c'est pas mal. Et pour le reste, je vais pas le terminer de suite. Pour ce coffre-là, je vais juste attendre un petit peu. Parce que là, il y a l'événement de Noël dans quelques jours. Pareil pour le jour de l'an. Je me dis que si on gagne un artefact et qu'on gagne la clochette, je serais deg d'avoir utilisé la clochette là-dessus parce que ça me servira à rien. J'en ai deux que je vais monter à fond, ça me suffira. Je sais qu'il faut que je monte en plus la couronne, donc pour l'instant, je le garde comme ça. Et il va me servir sûrement à ouvrir la clochette. Mais on sait jamais si j'ai un peu de chance dans l'event qui viennent. Surtout, c'est dans quelques semaines, donc c'est ça que j'attends. Hein. Je prendrai ça. Donc là, attends. Là, ça nous a permis de, normalement, hop, faire ça. On est monté en niveau. Voilà, ok. Notre usage, c'est bien. Donc là, on en est où? On en est là, niveau stat. Voilà. J'ai un petit peu monté, je crois, par rapport à la dernière fois. Pas beaucoup, beaucoup, mais un petit peu. Au niveau des persos, on n'a pas changé grand-chose, quoique. Bon, elle est toujours, voilà, toujours comme ça. Là, on est parti sur dégâts critiques, critique attaque. On est parti sur la canne. On va re-suivre le conseil de Slider qui a fini, lui, et qui avait ça comme stuff. Donc voilà. On part sur un truc comme ça. En 1, 2, 6, 1, 2. Avec un peu d'espoir, ça va le faire. Là, on part sur un truc comme ça. Ensuite, au niveau de ma Inis, c'est le seul problème, c'est elle. C'est qu'au niveau de la vie, lui m'a conseillé d'avoir un peu plus de vie pour le passé. Quasiment 40 millions, il me semble. Et le problème, c'est qu'on en est à, on en est à 34. Hein. Donc, c'est chaud. Et voilà, j'ai le stuff comme ça. J'essaie de lui mettre ça pour essayer d'avoir le plus de vie. Ça aussi. J'ai pas le bon artefact, tu vois. Donc, c'est un peu galère. On part sur des trucs défensifs pourtant. Donc, on verra si elle tient. Ici, ensuite, on part sur un wild deck équipé comme ça. Et après, sur des persos avec aucun stuff. Hein. La première Inis. Là, d'ailleurs, on va lui mettre peut-être un peu de... Est-ce que ça sert de lui mettre de la vie? Je pense pas. Bon, ça ne va pas changer grand-chose. Voilà. Elle aussi, pas le stuff. Et bah, lui, avec un truc énergie. Donc, moment de vérité, les gars. Allez. Donc, voilà comment se met l'équipe. On a notre deuxième Inis. J'espère que ça va le faire. Sérieusement. Allez, on croise les doigts. Bon, peut-être pas du premier coup, mais j'espère qu'il va y avoir une petite différence en tout cas. Allez. Inis survit, s'il te plaît. Elle survit. Pas énormément de ouf, mais elle a un petit peu survie. On est tour 5, avant elle mourait tour 5, tour 6, voilà. Et là, regarde, tour 6, elle est toujours en vie. Donc, il y a eu un petit up sur la Inis. Clairement, le stuff, ça lui a fait du bien. Ça lui permet de survivre un peu plus. Tour 7, elle n'avait jamais fait. Donc là, déjà, j'ai pris un up. Qui, pour l'instant, ne sert pas à grand-chose parce que je leur fais absolument rien. Mais, normalement, j'ai pris un up, quoi. Mais le problème, c'est que j'ai pas de dégâts. Hein. Pourquoi j'ai pas de dégâts? Je comprends pas. Je devrais leur faire mal. Je leur fais rien. Oh, c'est tragique. Hein. Ah, j'étais tellement plein d'espoir. Je suis dégoûté, là. Pourquoi ça, je me fais... Oula, j'ai pas fait de dégâts, là. Je suis mort rapidement. C'est-à-dire, tout à l'heure, j'ai fait un bon combat, en plus. Là, tu vois, on fait pas du tout le même nombre de dégâts, donc... Oh là 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 là. Ah là, j'ai fait un truc pas trop mal, mais ça passe pas, hein.
Allez, s'il te plaît. Bon, je sais pas si la montre peut faire grand chose là-dedans, mais si je peux avoir tous les petits critères avec moi de mon côté, s'il te plaît. La montre, c'est maintenant. Ok, pas du tout. Bon. Est-ce qu'on essaierait pas de repartir comme ça? Ah, attends, c'était Nice là. Je vais lui mettre ça. Hop, voilà. Même s'il est pas avancé, on va essayer de faire ça, voir si ça fait quelque chose. Allez, s'il te plaît. Je veux voir si je me fais exploser en deux secondes ou pas. Ça perd, changer grand chose. Dans tous les cas, regarde, je fais rien. Et là, je manque juste de dégâts, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on fait, les gars? Est-ce que là, je suis peut-être pas trop défensif, peut-être, hein. On va essayer de faire un truc comme ça, hein. Genre, autant 10 mois de mon côté. Voilà. Histoire que si jamais la chance n'était pas avec moi, voilà. Voilà, c'est ça que je voulais voir. Alors, mais d'où je les tue pas, moi? Ah, on s'est débloqué, les gars. Déjà là, on s'est mis très, très bien. Maintenant, je vais passer. C'est bon, le premier bloqué, je vais dérouler. Jusqu'au boss. Allez, c'est parti. On veut rien savoir. Je ne veux rien savoir. C'est parti. Faites le taf, les gars. Oh, ça fait du bien. Tu peux pas savoir. On a eu raison. On a fait des petits changements. On s'est mis un peu plus en galère parce qu'on avait moins de vie, mais c'est passé. Bon, là, par contre, c'est peut-être le contraire. Le truc, c'est qu'il faut vraiment adapter parce que d'une équipe à l'autre, ça change totalement les trucs, quoi. Là, la Nice, tu vois, elle joue plus, elle est stun. Là, j'ai l'impression que je me fais exploser. Là, je suis tour 4, je vais mourir. Bah ouais. C'est ouf. Là, si je fais pas... Oh, il meurt pas, sérieux! Ah, j'allais te dire. Le truc, c'est que je pourrais pas me régénérer. Yes, c'est bon, j'ai gagné. Eux, franchement, ça va, ils sont pas difficiles. Ok, parfait. Nickel. Allez, lui, c'est pareil. Une formalité, je regarde même pas. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Et là, on est au boss. Ah! Désolé, je craque mentalement, mais je suis content. Maintenant, on va regarder, et c'est là où on va sûrement se décomposer, évidemment. On va pas rester full offensif, attends. On va se remettre comme au début. Parce que Slider, il m'a donné exactement ce qu'il fallait mettre pour le boss. Enfin, pour son boss à lui. Hop. Et hop. Donc je me dis que, si on fait ça, ça devrait le faire. En avant. Et là, il faut sortir le grand jeu. Il faut que ça marche. Ça va être chaud. Mais il y a moyen. Je vois pas pourquoi j'y arriverai pas. On m'encourage dans les commentaires, on me dit que je vais y arriver. Mais je sais que je vais y arriver. C'est juste que voilà, c'est le temps qui va me manquer, peut-être. Mais je vais finir par y arriver. Alors attends, là... Ok, on est tour 3. Oh, tour 3, je prends cher quand même. On est tour 3, je prends... Ah ouais... Ah, c'est chaud là. Hein. Ah non, c'est un peu chaud là. Pas mal. Attends, je regarde si c'est vraiment les dégâts qui me manquent ou si ma vie, je suis mal, quoi. Ah ouais, c'est que je survive pas du tout, en fait. Je change, regarde si ça marche ailleurs. Avec ça, j'ai l'impression que je manque un... Enfin, quoi que je sais pas si je manque de dégâts. Moi, je suis à peu près pareil, mais... Ouais, ça marche pas mieux. Écoute, je recèle 10 combats comme ça d'affilée et 10 combats avec l'autre stuff et... Je pense que je suis encore un peu... loin. C'est dommage parce qu'il manque pas grand chose, j'ai l'impression. Et surtout que j'ai plus grand chose à évoluer, quoi. À part le stuff de la Inis, on a plus grand chose à évoluer. Donc ça me fait assez peur, cette histoire-là. Oula, attends, qu'est-ce qu'on a fait, là? Oh, bah écoute, c'est parfait. Parce que ça veut dire que là, on pourrait s'acheter... ça aussi. Ah, du coup, maintenant, j'hésite. Parce que j'ai ça, et j'ai ça à acheter, quoi. Je prends pas trop de risques parce que c'est trois artefacts un peu indispensables. Et là, avec mon coffre, je pourrais clairement prendre la clochette. Donc là, je pourrais prendre ça, limite. Ou augmenter ça, je sais pas. Ah, lui, il est quand même assez important. Les dégâts, là, ça serait ouf hein, si j'arrivais à avoir ça. J'ai eu les dégâts de 250% de l'attaque du héros, c'est énorme. Hein. Bon, là, je me chope un vieux 120%. Même le niveau 2, tu vois, ça fait 180. C'est déjà ça, quoi. Pas quoi faire. Le problème, c'est ouais, il me manque trop d'artefacts. Faudrait que je... Après, je me dis... est-ce que c'est vraiment si fort que ça? Parce que si je prends rien que le niveau 1, lorsque le combat commence, augmente de 20% la réduction totale de dégâts du héros, ce qui est très bien. Hein. Diminue de 4% à chaque tour. Donc le premier tour, deuxième tour, c'est pas là où je meurs vraiment, c'est vraiment en tour 5-6. Donc est-ce que vraiment ça c'est si fort que ça? Je sais pas. Alors que ça, pour le coup, bah ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais, je pense que j'ai pas trop le choix, les gars, faut que je prenne ça. Hein. Et si dans un autre event, je pourrais l'acheter, bah tant mieux. C'est parti, c'est le craquage! Ouh! Allez les gars, hop, en avant, là, j'aurai un petit boost, je pense. Oh là là, directement, ça part sur... Ouh là, pourquoi je l'ai mis en... Je voulais pas le mettre comme ça. Bon, déjà, on nous a freiné dans notre élan, là, on a vu qu'on se prenait une patate, bon. Est-ce que j'ai pas eu de chance? Sûrement. Allez, je vais voir déjà si je me prends un peu moins Bagdad que tout à l'heure.
Même si clairement, c'est pas juste le petit ajout qui va tout changer, on est d'accord. Il faudrait qu'il soit au moins, au moins, level 3 serait pas mal. Qu'il soit fini complet, que la Ennis, pareil, elle puisse gratter un petit peu. Pourquoi pas de l'HP. Tu vois, là, la Ennis, là, pour moi, ça servirait plus parce que au niveau du tour 5, si ça perd 10% de 50 et que ça fait bien 50, 40, 30 et tout, là, ça me servirait plus. Et là, elle va mourir. Donc, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Je sais pas. Je sais pas. Après, si j'aurais le... Ouais, je sais pas. Non, je sais pas. Je sais pas. J'imagine que c'est toujours mieux que ce que j'ai actuellement, mais je pense que l'artefact que je vais augmenter fait un peu plus de taf que ça, j'espère, même si là... Je me prends des patates, hein, qu'est-ce que je te dise. Et si je remplace avec ça, est-ce que ça fait un truc ou pas? On lui a pas mis, mais attends, elle survit un peu plus longtemps, hein. Pour notre dernier essai, je sais pas si c'est vraiment le meilleur truc à faire. Allez, on tente, on verra bien. Déjà, on a progressé, je suis content, on est allé plus loin que prévu, donc c'est déjà ça. On peut pas tout faire, hein, tant pis. Tour 5, ouais, elle va mourir, tour 6, tour 7. Mais je leur fais pas de dégâts, en fait, hein. C'est le gros souci, hein. Mais déjà, je vais pas survivre jusqu'au round 15, donc c'est peut-être pour ça que je fais pas de dégâts. C'est peut-être dans les derniers rounds que ça pourrait se passer. L'Ennis a plus survécu, donc en fait, l'artefact est meilleur, j'ai l'impression. Je survivais moins avant. Donc là, en vrai, c'est ma meilleure game, si je peux le dire comme ça. Là, on est tour 10, quoi. Par contre, regarde celui-là en haut, il est full life. Même le boss, là, il est full life, hein, limite. Hein. Je leur fais rien. Hein. Ok, Ennis est mort 11. Et là, je vais peut-être tuer quelqu'un, même pas. Non, ça ne marche pas, je suis derrière. C'est dommage parce que je suis pas trop mal pourtant là. Donc allez les gars, on s'arrête là-dessus. Tant pis. J'espère que je vais m'améliorer la prochaine fois. Je sais pas trop ce que je vais faire parce qu'il y a plus grand-chose à faire, j'ai l'impression. Peut-être que j'ai oublié des trucs. J'espère que j'ai oublié des trucs. Ça permettrait un petit peu d'évoluer parce que là, sinon, on est un peu mal. Hein. On est aux portes du 25. Donc j'espère que ça va le faire. Donc les gars, allez, passez un bon événement. Même si je vous conseille pas trop de claquer des orbes là-dedans. Moi, je l'ai fait parce que j'en avais beaucoup. J'en ai plein encore dans l'arène que je peux acheter dans le shop, donc t'inquiète pas. Mais toi, si t'en as pas beaucoup, attends, parce qu'il y a des gros événements qui vont venir. Bref, voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Passez un bon week-end et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, les gars!